Oh, ça part en couille, frère. Mais lui, tu vois, j'ai la casquette en bleu, plutôt qu'il a dans la main. Et il a un coup. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Il a sorti un sabre. Vu le blanc. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh, c'est vraiment le bordel. Ils ont tous des couteaux. Waouh. J'ai vu samedi, et je pense que vous avez un petit peu pris la parole tout à l'heure sur l'immigration qui arrive à Trélon. Donc je voulais reprendre un petit peu quelque chose, et plusieurs Trélonais sont en train de nous écouter en direct. Donc on est d'accord que vous étiez d'accord s'il n'y aurait pas eu d'escalier extérieur, s'il y aurait eu un escalier extérieur sur le bâtiment, d'avoir 70 migrants sur la commune. C'est un petit peu l'explication que vous nous avez donnée tout à l'heure. Donc ça, c'est la première des choses. C'est Monsieur le maire, après tout à l'heure... Ouais, moi, j'ai pas compris ça. Donc c'est un petit peu comment on nous l'a expliqué. Monsieur le maire vous a expliqué aussi qu'il n'y avait pas de problème avec l'immigration. Je vous ai ramené un monsieur là qui est là, qui s'appelle Jean-Luc, que vous connaissez très bien, qui a été agressé par des migrants à Tréon. Donc voilà, donc ça c'est une réaction, vous voyez, c'était cette réaction-là qu'on voulait voir. Parce que ça démontre que certains membres du conseil municipal, et j'en ai vu d'autres, qui sont quand même mieux que certains, on va dire. Par exemple, madame, je vais m'adresser à vous. Vous savez, rigoler comme ça, moi je me fais avocat de ce genre de personnes. Parce que ce genre de personne, et la réaction que vous avez devant, de rigoler, madame, c'est complètement, c'est inhumain. Quand vous dites que vous avez une politique humaine pour l'immigration, vous venez de rigoler. Donc, voilà, cher Trélonais, Trélonaise. Donc effectivement, je suis venu sur le conseil municipal, et on voit bien encore que le conseil municipal, de toute façon, s'en fout de vous. Ils s'en foutent de vous, ils veulent l'immigration, ils la font venir, ils continueront sans politique. Donc je vous appelle à changer d'attitude, on va dire, sur les prochaines élections municipales, européennes et autres. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.